Et boum les Gaulois, j'espère que vous avez bien soulevé. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 11 sur Star Wars Jedi Fallen Order. Donc la dernière fois on s'était arrêté juste ici. On était sorti du temple. Donc on était toujours sur la planète Zepho. Et donc on y va, c'est parti. Où est-ce que tu parles? Je voulais l'accès au tombeau. Et maintenant que j'ai ce que je... Tu ne me sers plus à rien. Tu peux annuler ce qu'elle a fait? Merci. Espérons que ce nouveau cryptage nous brasse d'elle. C'était bien. Un processeur de droïdes sondes. Savent quoi de pirater d'autres droïdes? Ouais, ça me ferait bizarre de pirater des gens. Mais c'est pour la bonne cause, pas vrai? Nickel. Piratage des droïdes sondes. On s'en sort pas trop mal, hein? D'accord. Des droïdes sondes. On devrait prévenir le Mantis. Trilla les a certainement repérés. Que la radio fonctionne. Ils ne répondent pas. Quelque chose cloche. Il faut qu'on les joigne. Alors, nouvel objectif ajouté à l'holocarte. Retourner au Mantis. Donc, tac, et le Mantis, il est à l'autre bout. Ah oui. Ah oui, quand même. Alors, après, il y a une grande. Après, il suffit de redescendre. On prend là, on récupère. Enfin, bon, j'en sais rien, on verra bien. Niveau talent, de toute façon. Personne à l'horizon. C'est plus que ça qui compte. Tu penses que c'est un piège? Ça ne serait pas le premier piège dans lequel on tombe. Attends. Oh, pour s'y débloquer. Oui. Là. Je vais le coin vite fait. Ah! Oui, d'accord, ok. Là, je vois où on est. Je crois. Pas sûr. J'ai bossé, c'est pas. Je sais pas, alors du coup, dans le doute, je vais aller par là. J'ai vu une escouade se faire submerger par un groupe de skaz l'autre jour. Oh, c'est pas juste qu'on passe à mourir. C'est ce qui arrive quand on suit pas le protocole. En tout cas, j'espère que cette petite série de vidéos continue toujours à vous plaire. Voilà, donc, n'hésitez pas à faire partager les vidéos, à faire découvrir tout ça. Sachant qu'au mois de janvier, qu'est-ce que c'est? On va faire pas mal de petites choses sympas. Il y avait quelque chose là-dedans. Ah, ça va pour rien. Ah oui, bon, d'accord. Ok, c'était pas pour me dire. Du coup, c'était par là qu'il fallait aller. Voilà, et hop, ça dégage. Un truc là, j'ai vu. Je crois que ça mène à l'étage inférieur. Ça vous amène où ça? Ça nous aidera à y retourner. Là, on redescendrait par là éventuellement. Allez, on tente. Nouveau passage, raccourci débloqué, parfait, très bien. Par ici. Alors. Quoi? Là, posture de défense. Et voilà. Impeccable, ça me rappelle l'Espagne, tout ça. Non, ça va peut-être par là, par contre. Ça va peut-être plus être de l'autre côté. Je sais pas trop par où je m'en bats, donc là, c'est de la touche bien. Là, on avait déjà fait le communication. Ah oui, ça y est, je me suis retrouvé, je sais où on est. Je sais où on est. Donc là, il y avait une grande porte qu'on a pétée, il me semble. Il y a des bruits par là. C'est un problème. J'attaque la cible. On va faire de la merde.
mon problème. Oui, mais par contre, là... Peut-être qu'il faut repasser par là. Peut-être qu'il faut repasser par là. Ouais. Là, il y a un truc. Ah. Quoi? Putain, Jean-Michel, on fait pas des choses comme ça. Ah putain, merde, merde. C'est le rat qui a pris la roquette. Je te ralentis. Ah, bon, ta mère, on va. J'aurais besoin d'un style de soin, pourquoi? Bien envoyé. Fais-moi voir que je check ça deux secondes. Ce passage là qu'on n'a pas fait, on va aller voir ça là. Dis donc, on va aller voir ça. Toc, ça doit être par ici. Ouais, c'est ça, ce passage là. On pouvait pas y accéder. On avait pas trouvé. Ah merde, il y a juste un petit. Bah, ouvre le coffre, Jean-Michel. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Voilà, c'est bien. Je suis sûr que tu veux aller là. Bien en champion. Oui, voyons voir voilà. Ça. T'es auteur de ce rôle a obtenu de voix et volonté 2. Si on peut peut-être passer par là. Oh, je le trouve. Je suis un dingue. Hop. Tac. Voilà, je remonte tout. Hop là, c'est parfait, c'est impeccable. C'est super, c'est génial! Alors, voilà, maintenant là, faut pas se foirer. Voilà, très. Là. Hop là, j'ai perdu mes mots, mais c'est pas grave. C'est quoi ça? Mad Mitch. C'est quoi ça? Mais dégage de là, Jean-Michel! Non, te laisse pas faire, dégage de là! Je pouvais pas bouger? Éveil. Bah. Je peux rien faire. Donc comment est-ce qu'il m'assure? C'est qu'on est sur la bonne voie. Par contre, cette espèce d'enfoiré de ses morts, je sais pas comment on va le défoncer. Mais on est sur la bonne voie. Ah bah non, mais c'était prévu qu'on perde. D'accord. Ok, bon moi je comprends mieux maintenant. Ah bah c'est là où on va. BD, il est plus là. Mon pote, tu te choues. Merde, j'ai plus de sable. BD. Merde. Il faut que j'arrive à sortir là, quel que soit cet endroit. Il y a quelque chose ici. Voilà. Ah non, c'est là. Tac. C'est un câble électrique, ça? Tac. Tac. Hop là. Ça a marché. Là.
quand même regarder, hein. Au cas où, mais il n'y avait rien. Donc là, ça nous a bien donné un passage, c'est bon. C'est parfait. Donc là, on va du coup pas mal jouer avec le pouvoir. Rance, on doit être en profondeur. Ça, c'est plutôt... ça peut être sympa. Alors, là... Ok, il y a un interrupteur. Est-ce que... si on le met là, est-ce que ça fait quelque chose? Je ne sais pas, je ne sais rien. Bah, je... Donc là, c'est un truc avec VD1. Ici. La porte s'est ouverte. Et bah voilà mon coco. Ok, sûr. C'est obligé. Et... salut, homme. Voyons si je trouve un moyen de sortir ici. Donc voilà, donc je disais tout à l'heure, hein, préparez-vous parce qu'au mois de janvier, peut-être février si ça prend du retard, mais je prévois pas mal de petites choses différentes. C'est quoi ça? C'est énorme. On va clairement pas ouvrir la cache parce que sinon on est dans la merde. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire ça. Non, bon, ça peut réagir au pouvoir. Alors je ne vois absolument rien. Ok, donc là, bon, bah, y a rien. Là, il y avait donc rien. Par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ça met pas. D'accord. D'accord, donc soit on va par là, ou alors on va... une petite chose par là-bas aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas la main de... Non, donc là c'est avec BD1. Quand on l'aura retrouvé. Petit droïde quand même. Petit. Je suis un peu son papou quand même. BD ? Mais quoi ? Te voilà. Est-ce que... bah si, ça passe. On va sortir de là. C'est quoi ça? Est-ce qu'involontairement j'ai trouvé un truc en tombant? Non, y'a rien. Oh non, c'est l'échec du cul. Oh, j'y ai tellement cru. Une petite gamme. Donc là du coup, est-ce que je peux avoir la liane s'il vous plaît? Voilà. Y a pas un pas où je peux genre insérer ça? Donc on l'a débranché de là-bas. C'est d'accord. Mais logiquement, il faut un endroit où le rebrancher. J'aurais pensé que c'était là, moi. Mais il n'y a strictement rien ici. Et de toute façon, c'est obligatoirement dans la pièce. Ah, oui, d'accord, ok. Voilà. Moi qui suis un petit peu juste. Je ne vois pas tout. Tac. Hop, donc là, on descend dans la pièce, on retrouve BD1. Content de te voir aussi. Laisse enlever ce boulon d'entrave. Crétin. Oh, ça y est, pauvre droïde. Il faut qu'on sorte d'ici ou on finira comme eux.
Nouvel objectif, ajouter à l'holocarte. Sortir d'ici, ouais, c'est ça, échappez-vous de la prison souterraine. On pirate des... Ah, putain. Là, du coup... Ça, là-bas, qui s'est enfermé. Bon, après, c'est pas trop con, ça fait un peu parce qu'on peut y avoir rien à faire. Donc, comme il y avait rien à faire, on s'en branle l'anus. On va aller ici. Voyons ce qu'il y a derrière. Hop. Voilà, donc là, ici. Ce truc aurait besoin d'une surcharge. Bon, ça n'a rien fait. Tu vois, du coup, ça, si on veut bien qu'on le rebranche ici. Il y a du courant maintenant. Voilà. Voilà. Je pensais qu'il fallait là-bas mettre un coup de surcharge et revenir là. Tu entends ? Mais pas besoin. On dirait bien qu'il y a quelqu'un finalement. Hey, mais je le connais ce groupe. Ça, ça pue l'arène. Ça pue l'arène, mais à des kilomètres. Donc on va clairement se reposer. Reprendre nos vies, tout ça. Arbre de compétences. On va l'améliorer quand même, si on peut, juste avant, parce qu'il faut pas déconner. Traction étreignante, on a une traction, calque tirée et retenir la plupart des ennemis lourds. Des ennemis lourds peuvent être déstabilisés. Voilà. Ok, on va revendre ça, comme ça on n'a plus de points de compétences. Par contre, j'ai pas de sabre laser, donc ça va être emmerdant. Parce que c'est clairement une arme. Et... sur le temps qu'il te faudrait pas arriver ici. Et vous êtes qui, au juste? Tu veux savoir? Je suis Sortormeau, mon petit. Je suis le chef des opérations. Tu pourras remercier Grizzly, c'est grâce à lui qu'on se rencontre, toi et moi. Je le ferai, dès qu'on sera sortis d'ici. Nous accueillons un combattant très spécial pour vous ce soir. Un représentant d'une époque révolue à jamais. Un Jedi! Voyons ce qu'il a dans le ventre! Oh, t'es au bébé, son fils! C'est de l'action que vous voulez? Oh, je vais vous en donner de l'action! Ouais, c'est pas vraiment ça. Ah, ça pue l'argent et l'enveloppé! Ce soir, nous rendons hommage à ce vaillant guerrier tombé au combat et aux sacrifices qu'ils ont fait. Ah. Ça, ça pète avec le monstre. Non, c'est dommage. C'est pas grave, ça peut pas me retirer de la vie. Ah, c'est sympa ce petit système d'arène là. J'aime beaucoup, je trouve que ça change un petit peu. On va pouvoir. Continue comme ça. Ça va rater. Venir m'affronter en personne. Je suis trop occupé à monter mes crédits. Ouais, t'as raison. Beaucoup trop. Wow. Attention. Ça, 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 ça. Donne-lui un adversaire à sa hauteur. Ah, c'est pas grave. Ah, ça, c'est ce que j'appelle du combat. Ah, il est fait de cramer. Et qui vont la donne avec quelque chose de plus vilain. Ouais, c'est quand même ce qui est. Oh, c'est une flèche de la maison des amours sur Galvatra. Oui, mais alors là, si tu mets tous les espèces de mini-boss en même temps, on va en chier ma race là. Là, dégomme là. Dégomme ça. Oh, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Waouh. C'est pas ton jour.
chier, votre équipe de merde. En 1v1, ça va, mais... Ah, en 3v1, c'est chaud quand même. Et, allez, 3v2. On va crever. On va crever. On va crever. Mon champ de vision. Ah putain, j'ai pris la droite. J'ai pris la droite. Ah. Voilà, c'est pas si simple que ça là, il y a quand même pas mal de monstres en même temps là. Faut que j'arrive en fait à éliminer toutes les petites merdes juste avant là. Parce que là l'autre enfoiré qui me balançait ses boules de poison, ça m'a un petit peu trop fait chier. Ça m'a fait un petit peu trop galérer, c'est dommage. Mais c'est pas grave, il fallait un petit échec dans cette vidéo, il est là. Bon, c'est pas catastrophique. Hein. Sachant qu'on va remonter la pente. On va la remonter la pente. Peut-être plus que j'utilise... Il faudrait que j'arrive à repousser un grand coup les monstres et après derrière à mettre un petit coup de force pour le... Donc là, on va qu'il avance. Oh merde, putain, j'ai oublié cette saloperie là. Là, paf, hop là, voilà, comme ça on pousse toutes les petites merdes. Là, j'ai pas l'autre, je suis en maison. Là, on va aller faire regrouper, on les regroupe. Hop. Voilà, ok. Quand les petites merdes c'est fait, on peut se taper le coup. Voilà, allez, viens. Voilà, le coup, on recule, tac. Non, pourquoi j'ai pensé que j'avais eu le temps de mettre un troisième? Non. Je fais de la merde, c'est incroyable. Plastique tout de suite. Voilà. C'est là qu'il faut pas qu'on se merde. Là, on sait qu'il y a des salopes comme ça, ça passe. Regardez-moi, ces salopes là, il faut venir. Manufre ça. Non. Arrête, t'es comme ça. J'ai pas le temps. Voilà, donc là, tac, hop. On se ralentit tout de suite. Et là par contre, il faut... Ah oui, ici on peut faire un petit truc comme ça. Ça en live, il faudrait qu'on arrive à le dégommer rapidos. Voilà, nickel, santé, force et expérience. Là, il faut qu'on arrive impérativement. Ah merde. Voilà, nickel. On n'a plus de force, donc c'est un petit peu en avant. Là, hop, tac, on a la team de son. L'autre qui continue. Elle touche pas la tête qui remue l'autre. C'est fun. Voilà. Je suis fort en feu pour me taper. Eh, tu passes pas par un monstre comme ça. Et si moi je passe pas, toi tu passes pas. Tu donnes pas. Vas-y, viens, sors de là. Bim, tac, je te ralentis. Je te mets là. Ah.
open. La prophétie attend. Est-ce qu'il y en a encore? Le meilleur est encore. Ah non. Je crois que tu connais tes prochains adversaires. L'allié d'action se joint à la reine. Putain, c'est celui qui nous a attaqué la gueule tout à l'heure. Tu mourras pas. Il ne pourra pas te tuer. Oui, voilà. Comme ça, on les gère comme si c'était tout seul. Non. Il me fait penser un petit peu à un Florian comme ça. Tac, je te ralentis. Et je te mets des coups. Nickel, ça c'est bien. Elle l'a pendant qu'il est au sol, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est le meilleur élément. Nickel, Mad Mitch vaincu. Bien joué. Au travail, le chasseur de plumes de la nuit. D'action. C'est le menti. Abattez-le. On ne m'échappe pas. À court. Le mec il est arrivé, il a posé son vaisseau comme as. Hey Grise, t'es célèbre par ici. Ouais, des affreux, pas vrai. Ils empestent l'île de Module. T'as l'air d'aller bien. Oui, mais on aurait pu se passer de ça. Une chance qu'on t'ait trouvé. On pourrait bien avoir d'autres ennuis. L'Empire a pris pour l'Holocron. C'est pas bon. Toute la mission est compromise. Et j'ai eu une discussion avec la deuxième sœur. Trilla. Ah. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que vous l'aviez livrée à l'Empire. Est-ce que c'est vrai? Elle dirait n'importe quoi pour faire échouer la mission. Est-ce que c'est vrai? C'était mon apprenti. C'était mon apprenti. Avant la purge. Vous auriez dû me le dire. On a reçu un message crypté. Ça vient de Kashyyyk. Marie. Voilà. On a trouvé Tarful. Et il est d'accord pour te rencontrer. Mais ce n'est pas tout. L'Empire a réussi à nous déloger de la raffinerie. So a dû s'enfuir de la planète. Certains d'entre nous ont rejoint les Wookiees dans la forêt. Sois prudent. Toi aussi. Plus tard. Plus tard. On a une piste. Ok, tout va bien. Et tout va très bien se passer. Oui, bon, tout va très bien se passer. Je prends un petit gars. Lève-toi debout. Faut qu'on cause. Quoi? Faut qu'on cause. Je sais pas trop ce qui se passe entre vous deux. Enfin, j'imagine que ça doit être un truc de Jedi. Mais si tu veux mon avis, c'est pas le bon moment pour... Ça te regarde absolument pas. Bah, je suis absolument pas d'accord. On est tous dans la même équipe, pas vrai? Hé, Cal. J'ai commis une erreur. Et ça t'a presque tué. Je regrette. Peut-être qu'on fait tous des erreurs, hein? Peut-être que toi, non. Tu devrais être un peu indulgent. Je te dis pas de faire ça pour moi. Et tous les deux, vous êtes vraiment ce qui m'est arrivé de meilleur. Avant que vous débarquiez, tout ce qui m'importait, c'est d'avoir une main du tonnerre. C'est ce que disent les joueurs. Je sais ce que ça veut dire. La vie, c'est pas un jeu. Je ne m'intéressais qu'à moi avant que vous arriviez dans ma vie. Et au pari. Je suis plus le même. Alors, nouvel objectif ajouté à l'Holocard, retrouver Tarful.
Et Kashyyyk. Et Marie sœur Kashyyyk, pardon. Alors, d'abord, je voulais juste voir ça. Est-ce que ça a fait quelque chose? Faut trouver d'autres graines. C'est triste là-dedans, faudrait trouver d'autres graines. Bah oui, mais je sais pas pourquoi ça sert. Encore. Alors, de mémoire, là-bas, il y avait un petit établi. Je voulais voir ce que c'était que... Ah tiens, hop, on va méditer un petit peu en même temps. Si ça nous a pas remonté, mais bon. Voilà, comme ça, moi, on a récupéré toute notre santé et notre marre de Steam. Alors, personnaliser le sabre laser. Oui, oh, il est beau, mon sabre. Oh, quel beau sabre. Toc, toc, toc. Passion, puissance, passion, puissance, passion, puissance. Nature alimentaire. Matériaux, cuivre. Minerai. Ah, il y a les minerais ici, hein, c'est pas dégueu. Parce que ça, l'osmiridium, c'est dégueulasse. Le dunium, c'est dégueulasse. Duracier, c'est basique. Cuivre, c'est sympa, c'est ce que j'ai. Le rhodium, ouais. Métal d'alliage, seracote. Minerai haïtien, ouais, minerai haïtien, j'aime bien. On va utiliser ça. Oh, quel beau sabre! Oh, ça te plaît à toi, les beaux sabres. Oh, tu aimes ça, les sabres. Oh, mais tu aimes ça. Allez, c'est parti. Direction Kashyyyk pour la trouver Tarfou. Et Marie. Ah. Utiliser l'holotable. Cordova avait des réserves cachées toc, sur toc, tout toc, Bougain. Toc, alors... Nous devrions y retourner pour vérifier. Ouais, nous suivons l'objectif principal, hein. Nous... bah non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 pas de merde comme ça, Jean-Michel. Voilà, on voyage direction Kashyyyk, on fait l'objectif principal, la quête principale du jeu. Tac, allez, vas-y. Même avec tout ce que vous me faites vivre, je frissonne toujours devant un bon match. Oh, tant que tu ne retombes pas dans tes travers. Oh ça, non, t'inquiète, je suis juste spectateur, pas de paris ou de trucs dans le genre. Tu es sûr? Sûr, c'est pour la beauté du sport. Rien de tel que de regarder le grosse brute échanger des coups. Cette agilité, cette force brute, Capitaine, je suis assez perplexe face à ton penchant pour une chose aussi... primaire. Ah, oui, je sais, c'est vrai, oui. C'est drôle. C'est divertissant. Eh, hey, petit gars, assieds-toi, on y est. Ah, ben voilà. Allez, on peut s'asseoir, on arrive. En même temps, si c'est un Wookiee, normalement, il y a des qui sont sans le mouvement. La texture des arbres en fond n'était pas terrible, hein, quand même. Alors, tac 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 tac. On va. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit écho de la forêt. C'est vrai, très vrai. Alors, ça y est, je peux le refaire. L'insurgé de ton espèce. Un Jedi. Vous allez tous. Alors, on va aller par là-bas. Joycic et Marie ont marqué ton point de rendez-vous avec Tarfoul. Contente de te voir sain et sauf. Ouais, Tarfoul et Marie, dans le terre bon, dans le col brouillasse. Un instant. Alors, je suppose que c'est par là-bas. Bah, évidemment que c'est par là-bas. Et si je dis pas de bêtises, par ici, on avait... Allez, bébé. Chose, voilà, comme ceci et comme là maintenant, on peut commencer dans le sens. C'est parfait. Oh, c'est super, c'est génial. Bonheur. Alors, une sur trois en essence de force obtenue. Très bien, c'est pas mal. Secret découvert, bah évidemment. On est pour la moitié d'un guignol, nous.
On est un guignol complet. Alors. Ah. Salut, BD. Bon. On verra bien où ça nous mène. Moi j'aime vraiment beaucoup ce petit jeu. Très sympa. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui se plaignaient de la durée de jeu assez courte. Alors après, je sais pas comment ils jouent au jeu, sûrement mieux que moi et plus vite que moi. Mais moi pour l'instant ça va, j'en suis pleinement satisfait. Bon, en même temps, je suis un petit peu un gros fan de Star Wars, donc pas grand chose pour me satisfaire. Même si normalement je pourrais être un petit peu plus exigeant quand même. Waouh, il y a eu la guerre ici ou quoi? On est où? D'accord, donc on est ici. Donc, on va se démerder. Là. Là, est-ce qu'on peut redescendre? Oui! Alors, hop! Tac! Ouais, je pense que c'est par là-bas, plus ou moins. Sans trop dire que ces autres-là, je les gère à la perfection, mais on n'en parle même pas. Tac, tac, tac. Non, ça prend. Oui, voilà. Tac. C'est ça, m'ouvre-toi. Non, il est mort. L'ennemi est mort. Oh, un cas de saut. Reste à distance, c'est tiré. Un cas de saut. Tac, des conneries. Tac. Oups. Et voilà, je découpe la jambe, je découpe la tête. On n'en parle plus, toi, je vais venir derrière toi. Je l'ai vu. Et bah, tu me verras plus. Ah! Est-ce qu'on peut venir s'approcher à ça? Oui, parfaitement. C'est pas ce que je voulais. Alors, donc là je sais que je peux avoir le coffre, mais en même temps je sais aussi qu'il faut que ça se rapproche. Oh, putain, j'ai bloqué du bon. Ouais, voilà, j'ai bloqué du bon. Premier coup les deux trucs là. Putain, j'ai le bon timing. Encore une essence de force obtenue, deuxième secret. Ouais, mais je commence à qu'il me brille genre trois fois de suite que je croche bloque à temps. Ah oui, bon voilà, j'ai tout. Tac. Ouais. Yopa! Et là, on avait quelque chose. Une peinture. Chasseur de primes. Oh, cool! C'est les couleurs de Boba. De Boba Fett. Oh, bah, je le mets direct. Ennemi localisé. Bien reçu. Non, arrête tes conneries. Il va trop vite pour nous. Cible est touchée. Garde toi et moi, fermé. Dégage. BD. Deux soins. Alors, par contre. Plus par là-bas quand même. C'est quand même un petit peu plus par là-bas. Donc on va faire un peu plus là-bas. Hop. Par ici, BD. Je sais pas de timing. Du. Oh le bâtard! Il est touché! Oh le bâtard, il m'a mis une race! Oh il m'a branlé la muscle! Yop là! I don't know. Donc là, de toute façon, on s'en fout, c'est bloqué. Là, on y va, tac 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 tac, par là-bas, et puis on va venir. Ok, d'accord.
Toc, 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 toc. Chargement, le chargement, ouais, c'est trop chiant. Allez. Allez, quand tu veux. Ah, merci. Normalement, si j'ai pas de conneries, on est sur la bonne voie. Tac, 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 tac. Un vrai génie. Un vrai génie, Cal, juste pour ça. C'est Raymond, voyez ta fréquence. Marie, est-ce que ça va? Je vais bien, contrairement à beaucoup d'autres. Est-ce que Myriana t'a indiqué le point de rendez-vous? Oui, oui, je suis en chemin. Parfait, on vient d'y arriver. On n'y restera pas longtemps. La pire est à notre route. Bon, des... ma chèvre, là. Mais je t'ai fait péter avec l'autre truc. Oh, un cobra. Ah oui, on pouvait pas aller. On pouvait pas le prendre, il est piraté. Tu penses pouvoir rater ça? Bah, allez, ne t'es pas. Allez. BD, t'es où? Ah bah voilà. Alors, pirate-moi ça. Tu peux pas? On va rester bloqué 3 jours. Là, bah non, bah non, bah. Ah, non, ok. Non, ça c'était pas passé. Ah, genre. Je suis même pas sûr que ce soit par là qu'il faut y aller. Ouais, 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 parce que genre, c'est quand même vachement plus de l'autre côté, quoi. C'est quand même vachement plus derrière, quoi. Après, comme quoi, j'ai un sens de l'orientation qui est absolument extraordinaire, quoi. Vous pouvez pas me tester là-dessus. Allez, ne traîne pas. Vous pouvez pas me tester sur mon sens de l'orientation. On va faire n'importe où. Par là-bas ? Oui. Ah bah voilà. On était déjà passé ici une fois, on était bloqué. On s'était dit, bah tiens, là, comment je peux vous aider? Go top 2. C'est quoi ça, cette espèce de pteradoptile, le pteranthour, là, je sais pas quoi. Et, mais what? Non mais tu vois quand même ta jambe, j'aime bien. C'est quoi ça? Tu peux m'aider? Mical. Ah bah il est pas très amical. Ah non. Sans les couilles. Sans... Tac. Merde. Et donc voilà. On est sur la bonne voie. C'est parfait. Donc on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à claquer un gros like pour me soutenir, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Wolfie. À ciao, bonsoir.